tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur Sky Aquarium Marin. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau corail et deux crevettes flammes rouges. D'abord je vais vous présenter mon nouveau corail, voilà, qui s'appelle Zoanthia, voilà. Et alors les crevettes, c'est crevettes nettoyage, Lumata débili. Voilà. Ouais, ou alors crevette flamme rouge, voilà. Alors quand j'ai mis mon nouveau corail, voilà, il était fermé, maintenant il a ouvert ses polypes, voilà. Maintenant il est habitué dans son nouveau habitat, voilà. Maintenant, ça me fait maintenant 3 coraux, 2 mous et un dur. Bientôt, je vais acheter un autre coraux dur, le même comme ça, mais un mauve. Et alors, je vais vous montrer mes crevettes flammes rouges. Voilà, il y a encore un ici. 2 que j'ai ajouté, pas plus pour cet aquarium-là. Voilà, on peut rajouter encore un, mais je préfère 2, c'est assez. Voilà. Ils vont bientôt faire leur travail pour nettoyer cet aquarium ici. Et je vous montre aussi mes demoiselles. Mes demoiselles vont bien. Hier, j'ai essayé de les nourrir. Ils mangent bien. Voilà. Pas plus. Je donne un petit morceau intestinal dans les cuves gelées. Tantôt, je vais les nourrir. Voilà. Et maintenant, cet aquarium ici. Dans 10 jours, je refais un test pour voir si je peux remettre un test d'eau pour remettre des autres demoiselles, voilà. Alors, j'ai acheté aussi une cloche à siphonner pour siphonner le sol et maintenant ma décantation, voilà. Pour ramasser les résidus, ça je ferai jeudi que j'ai mis mes premiers poissons et mes premiers coraux. Je verrai jeudi pour nettoyer la décantation. Puis j'ai nettoyé aussi l'aquarium aussi. Voilà. Et je ferai 10% de ce volume de l'aquarium. Ça fait 10 litres plus ou moins de changement d'eau. Mercredi, je vais préparer mon eau salée. 10 litres d'eau osmosée avec 300 g de sel Ripsy. Pour faire mon changement jeudi matin de mon aquarium, voilà. Et maintenant, cet aquarium-là commence à être peuplé. Il commence à avoir de vie. Il y a trois demoiselles vertes, deux crevettes flammes rouges, 3 coraux, voilà. Et après, dans une grosse semaine, je ferai un test si mon eau est bon. Pour remettre des nouveaux animaux dans cet aquarium ici, de rajouter des demoiselles et quelques coraux, pas plus. Je vais peut-être mettre encore au moins 4 ou 5 coraux et quelques poissons, et après pas plus pour ce volume là. C'est un anneau, faut pas mettre 10 poissons et là. Il faut limiter la surface de cet aquarium ici. Il ne faut pas mettre trop d'animaux dans cet aquarium ici. J'ai pas bien dit des individus ou des animaux, pas trop, parce que c'est des petits volumes. Voilà. Maintenant, je vais laisser maintenant tranquille pendant 10 jours pour ajouter des autres poissons ou des autres vertébrés. Voilà. Je vous montre un petit peu, voilà. Et en attendant, mes crevettes flammes rouges, je les ai aussi climatées pendant une heure pour être habituées de leur changement d'eau, pour être habituées dans leur nouveau habitat, voilà. Voilà. Et maintenant, ils vont commencer demain leur travail pour nettoyer cet aquarium. Voilà.
Maintenant, regardez toutes mes vidéos sur YouTube. Abonnez-vous. Plus de questions, naguez ma page Facebook, je répondrai à certaines de vos questions. Et à la prochaine.